Gang, je m'excuse, on a tellement mangé, serré dans le temps. Là, je suis gênée, il y a plein de monde, puis je suis à Montréal, t'as peur. Je vais attendre un peu avant de parler. Toujours du monde, mais on a tellement mangé pressé parce qu'on est vraiment serré dans le temps que j'ai oublié de vous filmer la pizza. J'avais emmené ma caméra juste pour ça. Et que je m'excuse vraiment, gang. Je vous ai pas filmé ma pizza. Mais c'est trop bon, le manger. Hein? Tu cherches le chemin? Marche pas. Bon, ça marche pas. Ouais, donc c'était vraiment bon. Ah, je suis pas allée me laver les mains. Moi, je capote si je sors de quelque part sans m'avoir lavé les mains. Ouais, c'était vraiment bon, mais on a mangé pressé parce que faut être au national. Fallait être au national avant 6h30, puis là, il est 6h05, comme. Puis on est sur Saint-Paul-Ouest, fait qu'il faut prendre la voiture et s'en aller au national. Il fait peut-être noir, là. Mais je vous ai pas filmé trop au lancement. Je vous ai filmé la première chanson. Mais ça a vraiment pas duré longtemps, là. Ça a comme duré quelques chansons. Puis après ça, on est resté un peu. Il y avait plein d'artistes. C'était cool, mais on les a juste regardés, là. On n'a pas été prendre des photos avec eux. Il y avait comme vraiment beaucoup de monde de la voix. Il y avait Marc Dupré, Annie Villeneuve, René Watkins, les deux frères. Annie, Suzy. Suzy Villeneuve? Ah, oh, Annie et Suzy, ils sont pareils. Je sais-tu, moi? Adriana Mallette, en tout cas. Hey, je sais pas si vous me voyez. Regardons s'ils me voient ou si c'est trop noir. C'est noir pas mal. Je vais me mettre en dessous du spotlight ici. Puis là, ben, depuis le temps que je veux essayer ça, je capote, gang. Là, ça fait deux Juliette et Chocolat qu'on voit. On est allé sur Saint-Denis. Puis il y avait pas de stationnement. J'ai tourné trois fois en rond dans les rues autour. Fait que là, on est sur Boulevard Saint-Laurent. Puis il y avait plein de parking. Puis ça m'a fait penser à Karine de la chaîne X Barbie X One. Ben là, je pense qu'elle a changé de nom, sa chaîne, mais en tout cas, je pense que c'est rendu Karine Vlog, mais à cause du Sushi Saint-Denis puis du Juliette et Chocolat à côté, tu sais, elle fait souvent ça dans ses vlogs. Mettons, elle va souper au Sushi Saint-Denis, puis elle va au Juliette et Chocolat après. Hein. Fait que là, je vais essayer vraiment de filmer ce que je prends au Juliette et Chocolat, parce que tantôt, j'ai oublié de vous filmer ma pizza de chez Mangiafoco. Mangiafoco, c'est sur Saint-Paul-Ouest, dans le Vieux-Montréal. S'il y en a qui y vont, c'est pas là, maman, c'est l'autre coin de rue là-bas, là. Juliette et Chocolat. S'il y en a qui y vont, dites-moi là si vous avez trouvé ça bon, puis dites-moi quelle pizza vous avez pris. Moi, je prends la salsichia, puis ma mère, elle a pris la margarita. Les deux sont vraiment bonnes. Donc, je vous laisse, j'ai hâte d'aller au Juliette et Chocolat, puis j'essaie de vous filmer ça. Bye! Sophie Gauthier, là, je te parle à toi. Check le numéro du parcomètre. Les lettres du parcomètre. Ça te dit quelque chose, bébé? Wouhou!
On est chez Juliette et Chocolat, puis moi j'ai commandé fondue au chocolat avec chocolat blanc et chocolat au lait. Puis oh, regardez comment ça a l'air bon. Je serais venue souper ici, là. Regardez ça. La galette bûcheronne. C'est du bacon, des patates sur une galette, puis du fromage de chèvre. Ça va bon. Voilà ma fondue au chocolat blanc et chocolat au lait. Et voilà, bon appétit. Merci. Et la crêpe de maman. Ça a l'air bon. On va me garder réveillée pour la hausse. C'est capote. Okay. Attendez. C'est moi, je vais prendre la première bouchée avec eux. Attends, faut que je prenne une photo pour mon Instagram. Ok, je prends la première bouchée avec vous. Oh, ma baguette est là. Je vais goûter au chocolat blanc en premier. Avec une fraise. Tu me filmes-tu? Oui. Mmh. Ah, je vais mêler les deux. C'est bon. J'en ai partout. Ok, ben c'est plutôt rouge. Allô tout le monde, il est minuit et quart, je viens d'arriver de Montréal. Ben là, je viens d'arriver dehors promener Zoé. Puis pas Cybèle là, parce que Cybèle a un pansement à la patte, puis elle a un collier élisabétain. Je voulais vous la montrer, mais j'ai comme pas pensé d'amener la caméra là, parce que c'est dur de gérer qu'elle sorte pas trop. Tu sais, il faut pas qu'elle marche trop, fait que je la sors par ses besoins, mais après ça, faut que je la rentre, puis là, elle veut pas rester en dedans, fait que... comme dur à gérer, fait qu'avec la caméra en plus, ça aurait été comme impossible. Puis, c'était super le fun à Montréal, sérieux, ça a été vraiment une belle soirée réussie. C'est sûr que ma mère, elle file pas trop, là, elle a beaucoup de peine pour certaines raisons, mais j'essaie de remonter le moral, là. Puis moi, je suis un peu... là, vous allez dire, si j'en parle, c'est parce que ça me fait de quoi? Oui, il y a certaines choses qui m'ont fait quelque chose, là, qui m'ont fait de la peine un peu. Dans les choses qui ont été dites, là, surtout dans le deuxième commentaire, mais tu sais, j'ai rien supprimé, là, dans le fond. Tu sais, c'est correct que j'aime mieux laisser le commentaire là, je veux pas rien supprimer. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit que dans mon dernier vlog, là, c'était le vlog que je montrais, le petit pyjama de bébé carotté rouge et noir, là, puis le petit ensemble comme beige crème. Que j'avais acheté chez Costco. C'est le vlog qui s'appelle Je ressemble à Shrek, me semble. Puis quelqu'un qui m'a écrit que j'avais de l'argent à perdre, que j'avais donc bien de l'argent à perdre pour acheter des choses de bébé, puis que c'était ridicule, ah ah ah, voyons, c'est ridicule, puis tout. Moi, j'ai répondu que, tu sais, que je faisais ce que je voulais de mon argent, puis que, tu sais, peut-être qu'elle, elle boit ou elle fume ou elle mange de la poutine, puis tu sais, moi, je fais rien de ça, fait que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Puis que si ça fait pas son affaire, ben je l'invite à prendre la porte, tu sais. Puis elle m'a répondu que je venais de commencer ma chaîne, puis que j'agissais en baveuse, puis que j'aurais pas un crise, ça c'est ses paroles là. T'auras pas un crise de visionnement à part ton moté de chum puis tes débiles d'amis. Bonne réussite dans ta chaîne YouTube. Fait que tu sais, dans le fond, elle me connaît pas vraiment, tu sais. Vous me connaissez, oui, ceux qui me suivent régulièrement, vous commencez à me connaître. Mais vous connaissez pas mes amis, puis vous connaissez pas mon chum, là. Fait que vous avez pas d'affaire à dire des trucs comme ça sur mon chum puis mes amis. Vous les connaissez zéro, là, surtout mes amis. T'sais, mon chum, vous l'avez vu un peu. Puis, tu sais, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de lui. Mais, en tout cas, mon chum, c'est vraiment la définition du bon gars, là. Puis il y en a vraiment plus des gars de même aujourd'hui, là. Puis, il y a personne qui prend aussi bien soin que sa blonde, là. Ça, je peux vous garantir. Fait qu'en tout cas, c'est son point de vue, puis c'est bien correct, mais tu sais, ça m'a fait de la peine qu'elle insulte mes amis puis mon chum parce qu'elle les connaît pas pantoute. Puis tu sais, j'ai répondu que j'agissais pas à baveuse. Je me laisse juste pas piler ses pieds par une personne qui me connaît même pas, puis je vais acheter des choses de bébé si je veux, tu sais, qu'est-ce que ça peut y faire, puis tant qu'à moi, ben, ses visionnements, j'en veux pas, tu sais. Fait qu'en tout cas,
sais, c'est la première fois que je reçois un commentaire comme ça, là. Puis je suis loin d'être l'Alexandra Larouche de ce monde, ou bien la Marie-Hélène de ce monde, ou la Karine de ce monde. Je suis loin d'être aussi visionnée, puis avoir autant d'abonnés qu'eux autres, tu sais, mais j'ai mon petit monde à moi, puis ceux qui me commentent tout le temps, puis je suis vraiment heureuse de ça, puis ça me fait... J'ai pas d'expression. Ça me fait vraiment du bien. Excusez, j'ai accroché le vlog d'Alex en même temps. Puis c'est ça. Ceux qui me suivent puis qui m'écrivent des commentaires, je les aime vraiment. Puis ils me font du bien. Puis je suis contente de les avoir dans ma vie. Puis c'est une belle expérience que je vis là avec eux. Fait que c'est ça. Je voulais vous en faire part. Puis hey, je pourrais vous montrer mes achats que j'ai fait au Michael's. J'ai acheté ça. Je vais faire un DIY avec ça, vous allez voir plus tard. J'ai acheté cette boîte de bois là. J'ai acheté il est tout tourné. Ces beaux cartons là. Il était vraiment pas cher, je pense qu'il était 30$. Excusez, c'est embrouillé un peu. Il était 30$ pour épais comme ça. C'est le prix que j'ai payé sur Noël. Puis sur Noël, j'en ai 30. Ils sont comme brillants là, vous voyez pas vraiment bien, mais c'est ça. C'est tous ces motifs-là. Là. C'est comme embrouillé un peu. Attendez, je vais repartir le. Ok. Là, c'est moins embrouillé. Et c'est ça les motifs. Là, il est comme attaché là. Je m'excuse, je voudrais bien vous l'ouvrir. Il est rendu minuit et demi. Puis je me lève à 8h demain pour aller au gym. Regardez comment elles sont belles. Tellement belles. Ouh, elles sont vraiment belles. Laugh as much as you breathe, love as much as you leave. Pas leave, mais live. Ah, celui-là est vraiment beau aussi. C'est comme des feuilles, ils sont brillants. Bon, bref. Ça, c'est des feuilles aussi. C'est comme rose, là, vous voyez mal. C'est ça, j'ai acheté des lettres blanches. Mais vous allez voir dans mon DIY, c'est pourquoi, là, ça va avec ça. Puis, la peinture va avec ça aussi. C'est comme une espèce de verre menthe vieillot. J'ai acheté ce marqueur-là, parce qu'il était vert menthe, puis il était vraiment beau. Il paraît plus bleu, là, dans la caméra, mais il est vraiment vert menthe. Moi, en vrai, je le vois vert menthe, mais là, il paraît vraiment bleu. J'ai acheté des petits collants comme ça. Ah, ça m'a vraiment coûté cher, gang, sérieux, je suis découragée, là. Ça coûte cher de faire des belles affaires. C'est comme, gars, home is where the earth is. C'est la phrase à moi, puis mon chum. Love, laughter. En tout cas, plein de belles petites phrases que je vais faire des beaux projets avec ça. Our home is your home. Voilà. Et puis, de la peinture vert menthe comme ça pour peinturer le bac ici. Donc, c'est ça, gang. C'est tout ce que j'ai acheté ce soir. Puis, j'ai payé souper à ma maman. Puis son acheteur chez Juliette et Chocolat, vu qu'on avait pris son auto puis son gaz. Alors, c'est ça. Une autre soirée qui m'a coûté cher, là. Faut que je me calme, là. Tu sais, avant, j'avais jamais rien à faire à Trois-Rivières, mais là, j'ai quasiment plus le temps de relaxer, là. J'ai des amis, mais, ben, tu sais, j'ai connu du monde à Trois-Rivières, puis là, ben, on se fait des soupers, puis des soirées, puis du monde avec qui je vais au CrossFit aussi. C'est ça, là. Fait que je sors plus souvent, là. Pas hier, mais avant-hier, j'étais allée à l'Archibald. Je pense pas que j'ai bloqué cette journée-là. On est allé souper puis prendre un verre. Il y avait un petit band, c'était cool. Mais là, j'ai le goût de me reposer. Je suis vraiment fatiguée. Puis là, il est tard, fait que je vais aller. Je vais faire une carte de remerciement à ma voisine parce que je vais lui laisser demain matin à sa porte parce qu'elle m'a vraiment aidée cette semaine avec la pâte à Cybelle qui saignait partout. Tu sais, tout seul, c'est dur à s'occuper de ça. J'étais vraiment découragée puis j'avais personne. Puis elle est venue m'aider. Puis elle a lavé toutes les couvertes à Zoé dans sa laveuse parce qu'ici je suis pas chez nous. Puis en tout cas, je peux pas vraiment laver
découverte à Zoé qui a du poil dessus dans la laveuse où que je suis ici. Puis ça, elle a lavé les couvertures à Zoé, elle a fait un coussin pour dans sa cage. Fait que sérieux, c'est vraiment gentil là. Fait que je vais faire une petite carte de remerciement, puis je vais y faire un cadre aussi comme vous allez voir dans mon DIY du temps des fêtes là. Je pense que je vais y en faire un pour Noël à elle aussi pour la remercier. Alors c'est ça gang, sur ce je vous dis bonne nuit. Merci à ceux qui me suivent puis qui me laissent des beaux commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Je vous aime vraiment, vraiment, vraiment fort. Je suis contente de vivre ça avec vous puis de passer une partie de ma vie avec vous. Alors, je vous aime fort. Bonne nuit, à bientôt.